Honorable président de la Haute Cour, comment voulez-vous que moi je réponde à une question que je ne connais pas? Comment je peux repartir? Déjà, je ne suis pas depuis 2007. Depuis 2007 et à aujourd'hui, et moi je suis en train de repartir, les policiers et chez moi et même dans la mine. C'est pas normal ça. Ok, c'est pas normal. C'est faux. Qui est le propriétaire de SMI? Nous sommes à Goma. Qui est le propriétaire de SMI? C'est les gens. Nous connaissons les gérants, celui qui était sur place et qui venait contacter quoi les contrats avec la police. Monsieur le président, les renseignants par devant votre cour précisent, vous précisent, parce qu'il a fait mention, je ne sais pas ce qu'il dit, mais lapsus. Il a dit que non, il y avait des policiers qui gardaient aussi la résidence de l'honorable Mangatutu qui est ici prévenu. Alors, la aide de ces personnes-là, cela est aussi une disposition du contrat. Et quand je suis arrivé au nord de vous, l'honorable Mangatutu était sénateur. Si je ne me trompe pas, il était sénateur et nous avons une unité qui protège les différentes autorités de l'État congolais. Donc, les contrats concernaient la société SMP. Les contrats ne concernaient pas les officiels. Certains gardent la SMP et d'autres gardent votre résidence à Goma. Avait rien à voir avec la SMP. Il y a des questions comme ça. Comment voulez-vous que je réponde à des questions que je ne connais même? Je ne suis pas à Goma, je ne savais même pas qu'ils avaient 86, moi je vais les répartir de quelle manière? Ça c'est quand même pas sérieux. Où est-ce qu'il a trouvé ces documents? La Cour, à propos de la confection des listes, si le chef a dit que non, ces listes sont passées par moi. C'est difficile de dire au chef que non, Vous avez menti. Monsieur le Président, les documents dans cette procédure de flagrance qui avait été déposé, c'est ces PV qui avait été déposé à la Haute Cour. C'est ces PV-là établis par les agents de l'enseignement de la Douya. C'est ces PV. D'abord, je vous informe que quand ils sont venus me prendre chez moi, arrivé à la DEMIAP, ils m'ont imposé des choses. Ils ont demandé que je donne tous les codes de mes téléphones. Et puis, je leur ai dit, je leur ai donné tout. Quand ils m'ont fait des interrogatoires là-bas, de 12 heures, presque 15 heures, à la fin de nos deux jours, à la fin, je leur ai dit que je ne sais pas lire. Que mes lunettes, je ne les avais pas. Même maintenant, je ne sais pas lire. Je ne lis rien du tout. Quand mes avocats discutent avec moi, ils doivent lire et me lire les documents. Alors, ils m'ont demandé de signer. Je leur ai dit, je vais signer, mais je ne peux pas lire tout ce que vous avez écrit. Et c'est comme ça que j'ai signé. Et le général qui était là, qui avait son arme, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous utilisez votre arme pour me faire signer des documents? Il dit, je maîtrise mon arme. J'ai dit, mais quand même, vous ne pouvez pas prendre une arme devant moi comme ça. Avait-il pointé cette arme sur l'honorable? Oui. Quand la DEMIA a mis à notre disposition l'honorable Mangatutu, c'est avec ces PV-là, ainsi que tous les objets saisis en vrac. On a déposé à la Haute Cour ces objets saisis en vrac, ainsi que le PV de l'interrogatoire et le PV de constat signé par ton épouse. Beaucoup de gens ne sont pas au courant que depuis 2014, au moins, M. Mangatutu, l'honorable Mangatutu du territoire, n'est plus propriétaire de la société de SMI. Et puisqu'il n'a jamais nié d'en avoir été initiateur, vous le dites vous-même, et la Cour l'a constaté ici en cours d'instance, que les premiers permis portaient son nom. Et il y a eu changement.
des noms entre lui et la SNB. Il peut donc connaître l'historique et éclairer les Nations Unies qui péroraient et ergoter tout autour de je ne sais quoi. Une quarantaine d'éléments qui ont fait défection et il précise pour le M23. Pour préciser que je n'ai jamais fait partie des mouvements insurrectionnels. Je commence par là, mon Gérald. C'est pas parce que je suis là, même si j'étais à l'extérieur, je serais toujours présent dans la police. Mon Gérald, comme vous et les autres qui sont patriotes, comme nous tous, doivent être étiquetés quand ils apprennent ça. Parce que les policiers de l'État congolais, qui jouit avec tous les avantages de la police nationale congolaise, quand il fait défection, ça n'engage que lui parce que c'est quelqu'un qui est responsable. Et je ne pense pas que parmi eux, il y a un mineur. Les gens qui vous appelez renseignants sont venus ici pas pour étaler l'incompétence, la négligence, le désarroi de la République à travers les individus qu'elle doit être, ses représentants ou travaillant pour elle. Ma mission TV. Le miroir du monde. Comment leur nom figurait dans la liste n'était que sa préoccupation plutôt
celui de son adjoint. Parce qu'on a son adjoint par devant votre liste de cours. Nous voulions savoir, la RDC veut savoir, comment son adjoint, l'adjoint du général Nyembo, procédait par la constitution de sa liste avant que celle-ci n'atterrisse sur la table du général Nyembo et qu'elle soit signée. D'où est-ce qu'il prenait ses policiers? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, est-ce qu'il était au courant, parce que c'est lui qui confectionnait ces listes, au courant qu'à Zembi, il y avait deux policiers irréguliers, on peut les appeler, on peut les nommer qui ne sont pas policiers, qu'il y avait des gens qui étaient habillés à l'uniforme de la police congolaise et qui n'y étaient pas, parce que ces listes-là, c'est lui qui les confectionnait. Dès lors que si il les savait, qu'a-t-il fait? Ça, c'est la première question. Et éclairer la cour à propos de la confection des listes. Si le chef a dit que non, ces listes passaient par moi. C'est difficile de dire au chef que non, vous avez menti, ce n'est pas poli. Je vous ai parlé ici, monsieur le président, des sortes de chefs, de ces chefs qui arrivent à instruire les services en passant par les adjoints, et je vous ai remis les documents confectionné dans ma coordination et soumis à la signature du commissaire provincial, l'actuel commissaire provincial. Et si les chefs arrivent à dire que non, ces listes étaient passées par mon bureau, les chefs n'ont qu'à présenter ces listes-là. Mais je vais présenter un travail qui était fait avant, quand le chef est arrivé, et la signature, c'est la signature du chef, il y a une équipe qui était descendue sur le terrain avant que le chef prenne la relève de son prédécesseur. Il y avait une équipe qui était descendue sur le terrain et cette équipe avait proposé au chef et avait donné les rapports du site. Ce rapport est ici, avant de répondre à la deuxième préoccupation. J'avais déjà répondu à la question que non, il y avait deux sortes de chefs. Mais il y a de ces chefs... Concrètement, parce que vous avez dit qu'il y en avait deux. L'un qui passait par la coordination, l'autre qui ne passait pas par la coordination. Et je vous ai dit un deux. Mais parce que la question est posée précisément, c'est des deals. À compléter parfois sous les sites. Les bureaux 3 fait partie des renseignants. Ils pourront vous donner la précision. Mais pour les commissaires divisionnaires, ABBA, chaque fois il y avait des documents ou bien des demandes, ils faisaient appel à la coordination et la coordination travaillait avec les départements. Et au finish, il y avait une note qu'on pouvait soumettre au chef pour demander au commissaire Siak Terre de Massissi de faire les choix des éléments au niveau de l'unité concernée, au niveau de l'escadron police des mines. Et si au niveau de police des mines, il y avait des difficultés d'effectifs, lui, au niveau de sa politique, il pouvait faire un prélèvement dans d'autres unités pour répondre à la demande de ses chefs. La lettre, je vous ai donné deux modèles, deux lettres qui étaient signées par le commissaire provincial actuel, qui était aussi mon chef dans
le grand nord. Donc, si je me suis... Donc, ce n'est pas très clair. Vous avez dit qu'il y en avait deux. Il y avait deux catégories de jeunes. L'un se référait à votre coordination et l'autre se référait, ne se référait pas. Il se référait à la cellule 3. Cellule 3 est dans ma coordination. Bon. Il m'est vraiment difficile de faire le suivi. Donc, il va directement voir les chefs et c'est les chefs qui signent les documents. Est-ce que pendant tout son commandement, le temps de son commandement, passé par vous, oui, il passait tantôt par vous, tantôt par la cellule 3 Souvent. Mais il y a des documents, le colonel Van, où il y avait les effectifs, les chefs n'ont qu'à montrer ces documents, comme je l'ai fait avec l'actuel chef. Bien. Maintenant, il passait par vous, tantôt il passait par la cellule 3. Souvent. Souvent par la cellule 3, oui. Rarement par vous. Oui. Bon, les rares fois qu'il se référait à vous, comment faisiez-vous, c'est ça la grande question, comment faisiez-vous pour recruter ces éléments-là? Donc, moi je proposais au chef, je ne pense pas. Je crois, même le commandant qui est derrière moi, il sait comment ça s'est passé. Et je vous ai donné deux documents. Je me réfère à ces deux documents-là, que non, c'était les modèles qu'on faisait chaque fois. Quand il y avait demande pour compléter, parfois il y a fuite de certains policiers ici sur le terrain. Les requérants écrivaient au chef. Okay. Et si la note part directement au département, donc moi je n'étais pas vraiment obligé de faire quoi, de suivre les chefs de département pour lui poser la question. Est-ce donc, que les chefs selon vous, vous ne... procédiez jamais à la sélection des éléments. C'est ça votre position. N'est-ce pas? Je peux dire oui parce que ce n'est pas moi qui étais le commandant unité. Saviez-vous maintenant la deuxième? Des éléments irréguliers, c'est-à-dire auxquels on attribuait, on croyait, on dotait la tenue de la police et ainsi de suite. Saviez-vous cela? Et si vous le saviez, qu'avez-vous fait? Le mardi, je vous avais parlé d'un document que j'avais signé en 2018. Et ce document avait fait l'objet à une commission d'enquête au niveau du commissariat général. Parce que tous ces 86 policiers étaient supposés d'être des faux policiers. Après la vérification au niveau du commissariat général, les résultats étaient sortis et non, deux policiers ne figuraient pas dans la base des données. Et en 2019, le commissaire général avait instruit tous les commissaires provinciaux et s'est débarrassé de tous les policiers qui n'étaient pas contrôlés. Et c'est de cette façon que la note était venue et j'assumais l'intérim, mais j'avais fait une large diffusion à tous les commandants unités. Voilà ce que j'avais donné comme précision à cette, le mardi passé. Monsieur le Président, l'adjoint, donc on avait dit ici par devant votre cour, qui était chargé de sélectionner ces policiers et soumettre au général Niembo qui devait seulement signer. Parce que nous avions insisté sur la signature. Il avait dit que lui ne faisait que signer. Merci beaucoup. Monsieur le Président, que les renseignants par devant votre cour précisent, vous précisent, parce qu'il a fait mention, je ne sais pas si c'était un lapsus, il a dit que non, il y avait des policiers qui gardaient aussi la résidence de l'honorable Mangatoutou qui est ici prévenu. Alors, la RDC veut savoir, cela était aussi une disposition du contrat, ou soit c'était un excès de zèle. J'ai dit non, ce n'était pas un excès de zèle. Et quand je suis arrivé au Nord Kivu, l'honorable Mangatoutou était sénateur. Si je ne me trompe pas, il était sénateur et nous avons une unité qui protège les différentes autorités de l'État congolais. Donc, les contrats concernaient la société SNP.
les contrats ne concernaient pas les officiels. Mais étant sénateur, il avait droit d'être protégé vu la situation sécuritaire de la province. L'action de vérifier et de faire rapport sur la société SMB, Société Minière de Missouri. Et le sénateur Mangatu, tu n'avais rien à voir avec cette société. Mais dans votre rapport, vous allez jusqu'à la résidence, vous renseignez la présence des policiers dans la résidence qui est à, je ne sais pas moi, à combien de kilomètres de, non, des installations. Au niveau de Goma. La résidence par rapport à la SMB. Oui. La SMB est dans le Massissi. Dans le Massissi, ouais. Et la direction est au niveau de Goma. Dans la résidence de Mangatu. Non, non. Pas dans la résidence. L'unité qui est chargée de la protection des hautes personnalités. Cette unité, oui, n'est pas à confondre avec l'unité, l'escadron PHM. Non, voilà. C'est des unités différentes. Vous faites allusion et à l'unité qui a en charge la protection des périmètres miniers et à la protection des hautes personnalités. C'est ça qui cloche. Oui. Et c'est pourquoi la RDC veut savoir pourquoi avez-vous fait ça. Était-ce un excès de zèle ou bien c'est en tant que patriote que vous avez fait ça? La justice de tous ceux qui spéculaient au niveau de la province, comme quoi il y avait des histoires qui étaient un peu cachées. Et nous, on avait demandé à ces commandants. Cachées où, s'il vous plaît? Il y a eu des spéculations. Oui. Il y a eu des spéculations. La question que vous posez, que non, il y a eu des gens, des faux policiers au niveau de la société. Et nous, est-ce que ces informations ou ce bruit, oui, faisaient état de la présence de faux policiers dans la résidence du sénateur Mangatu? Comme étant de la famille, quelqu'un de la famille, on ne pouvait pas vraiment aller à côté. On se disait on pouvait toujours aller au-delà de ce qui était demandé au niveau de la société pour connaître aussi ce qui se passe chez lui. Parce qu'il était le grand frère de l'homme qui gérait la société. Et quand on parle, quand on faisait des bruits sur les réseaux, on ne parlait pas souvent de Ben qui gérait la société à Goma, mais sa résidence était à Goma. Mais la résidence de Ben n'est pas à Goma. Maintenant, vous saviez que de la société. Oh, oui, parce que je vous ai trouvé ça même dans les documents. D'accord. Dans les documents des contrats de gardiennage. Sachant pertinemment bien que Ben est gérant, oui, et qu'il y a des bruits autour de la société gérée par Ben, pourquoi n'êtes-vous pas allé dans la résidence de Ben qui était différente de celle de Mangatu? Unité. C'est le commandant unité qui nous avait donné ces documents. Si vous voyez, ce n'est pas le commissariat provincial, mais c'est au niveau des unités qui gardaient chez lui. On avait demandé ces renseignements pour mettre ça à la disposition de la justice. Mais la résidence de Ben, moi personnellement, avec le commandant unité, s'il avait pointé la résidence de Mangatu, c'est parce que parfois, au niveau de la résidence de Ben, il n'y avait pas de policiers. Et comme Mangatu est de la même famille que Ben, on ne pouvait pas faire des choses. On fait une chose et après, on vient nous poser la même question. Nous, en tant que responsables, on avait jugé bon de faire quoi? De prendre tous les éléments et de vérifier les armes. Et les armes et mettre cette liste des armes à la disposition de la justice. Qui est le propriétaire de SMB? Nous sommes à Goma. Qui est le propriétaire de SMB? C'est les nous connaissons les gérants. Celui qui était sur place et qui venait contracter les contrats avec la police. Vous connaissez.
La question est de savoir, est-ce vous personnellement ou toute la police nationale congolaise? Si, dans un document. Qui est-ce nous? Pardon? Vous dites que nous connaissons que le propriétaire c'est bien. La question est de savoir, le nous dont vous parlez, est-ce vous personnellement ou toute la police nationale congolaise, y compris la haute hiérarchie ici à Kinshasa? De la police nationale, bien. Je ne peux pas répondre à quelque chose qui n'est pas dans les documents. Dans les documents, c'est signalé Ben. Donc, c'est le seul qui était répondant à tous ceux qu'on avait comme problème avec cette société. Bon. À qui le permis d'exploitation avait-il été attribué par l'État congolais? Ce n'est pas à mon niveau de répondre à cette question. 86 était réparti de telle manière que certains gardes la SMB et d'autres gardent votre résidence à Goma. N'avait rien à voir avec la SMB. Il y a des questions comme ça. Comment voulez-vous que je réponde à des questions que je ne connais même pas? Je ne suis pas à Goma, je ne savais même pas qu'ils avaient 86. Moi, je vais les répartir de quelle manière? Ça, c'est quand même pas sérieux. Où est-ce qu'il a trouvé ces documents? Ça se trouve au procès verbal d'audition. Non, non, je n'ai pas. On peut dire que ce sont des propos. Non, le président de la Haute Cour, comment voulez-vous que moi je réponde à une question que je ne connais pas? Comment je peux repartir? Déjà, je ne suis pas. Depuis 2007 et à aujourd'hui, et moi je suis en train de repartir, les policiers et chez moi, et même dans la mine. C'est pas normal ça. Ok, c'est pas normal. C'est faux. L'opération que voici, oui. Ça a été attribué à qui? Non, à qui ce permis d'exploitation du périmètre minier, ce profil n'est pas très clair. Le permis d'exploitation numéro 47-31 au nom de Mandela Koudou Issoufou-Edouard. C'est moi. Et ce n'est pas le périmètre minier qu'exploite la SMB. Mais SMB, ce n'est plus moi personnellement, moi mais tout, mais c'est pour une société SARL. Okay. SMB. Mais le périmètre minier. Oui. Oui. Est-ce que c'est le périmètre de SMB ou c'est le vôtre? C'est de SMB. Est-ce que SMB... Tout a changé. Tout est dynamique. Okay. Maintenant, la société Allô? SMB ne m'appartient plus. L'exploitation des frais en son nom, parce que c'est une personne morale. Les gens croient qu'ils inventent tout, ils ne veulent pas vérifier les documents réels et actualiser. C'est quand même... S'il vous plaît, oui. Sur ce périmètre-là, oui. Il y a eu au total combien de permis d'exploitation? Ok. Bon, moi, je ne sais pas vous expliquer s'il y a qu'un seul permis d'exploitation et qui a été transformé. Donc quand c'est transformé, donc c'est toujours le même permis d'exploitation. Il faut que les juristes puissent vous expliquer comment cela se passe. Ou karma, qu'on envoie des gens au CAMI, voir comment la société, du moins, le permis a été octroyé, et puis comment aujourd'hui le statut de la société est aujourd'hui. Okay. C'est tout. Ok, nous étions sur la... ...interrogatoire. Ils ne viennent pas de vous. Non. Monsieur le Président, les documents dans cette procédure de flagrance qui avait été déposée, c'est ces PV qui avaient été déposés à la Haute Cour. C'est ces PV-là, établis par les agents de l'enseignement de la Dubiap. C'est ces PV où l'honorable Mongatitou a été interrogé. Et ces PV-là, à la porte 17, c'est sa réponse. Voilà. C'est ici où on lui a posé la question sur les armes, tout cela, où il a dit, comment il a dit le document. C'est ces PV, c'est le premier document qui a été déposé. Tout le reste, les documents sont venus, les sous-fards, là, c'est venu après que vous nous avez prescrit les devoirs. Mais initialement, quand la demi-heure a mis à notre disposition l'honorable Mangatutu, c'est avec ces PV-là, ainsi que tous les objets saisis en vrac là,
on a déposé à la haute cour ces objets saisis en vrac ainsi que le PV de l'interrogatoire et le PV de constat signé par son épouse. D'abord, je vous informe que quand ils sont venus me prendre chez moi, arrivé à la DEMIAP, ils m'ont imposé des choses. Ils ont demandé que je donne tous les codes de mes téléphones et puis je leur ai dit, je leur ai donné tout. Quand ils m'ont fait des interrogatoires là-bas, de 12 heures, presque 15 heures, à la fin de des jours, à la fin, je leur ai dit que je ne sais pas lire, que mes lunettes, je ne les avais pas. Même maintenant, je ne sais pas lire, je ne lis rien du tout. Quand mes avocats discutent avec moi, ils doivent lire et me lire le document. Alors, ils m'ont demandé de signer. Je leur ai dit, je vais signer, mais je ne peux pas lire tout ce que vous avez écrit. Et c'est comme ça que j'ai signé. Et le général qui était là, qui avait son arme, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous utilisez votre arme pour me faire signer des documents? Il dit, je maîtrise mon arme. J'ai dit, mais quand même, vous ne pouvez pas prendre une arme devant moi comme ça. Avait-il pointé cette arme sur vous, honorable? Oui. Oh, ça c'est grave. Non, mais moi je vous dis, pourquoi est-ce que... Moi je lui ai dit, demandez au général. Mais... Quand il me parlait, il avait son arme comme ça. Je lui ai dit, mais mon général, pourquoi est-ce que vous me parlez et vous me pointez votre arme? Il dit, je maîtrise mon arme. Ce que je vous dis, c'est sa réponse. Moi, j'ai dit à quelqu'un qui me demandait de signer, j'ai dit, je ne lis pas. Même aujourd'hui, maintenant, je ne lis pas, mais je vais signer. Et j'ai signé. Vous comprenez? Bien, ça va. S'il vous plaît, votre honneur. Cette question relative aux procès-verbaux qu'on voudrait attribuer à notre client, dans lequel on voudrait dire qu'il a allégué des faits qui pourront être retenus contre lui, trouve sa réponse notamment dans la loi et dans la doctrine, parce qu'il est dit clairement que l'instruction finale, décisoire, c'est celle que vous vous faites. Et s'il y a contradiction, ça c'est toutes les doctrines qui peuvent le démontrer, entre ses propos, dans un procès verbal obtenu de la manière dont il vient de décrire, c'est-à-dire sous intimidation, avec une signature extorquée sous la menace d'une arme, ainsi que les propos qu'il dit librement par devant votre auguste cour, qui rassure à tout le monde, et aux avocats, et aux prévenus, et même au ministère public qui a plus de temps de parole que nous, les temps d'avoir la parole, les droits de la défense sont respectés, ce sont ces propos qu'il dit ici qui doivent être pris en compte. Donc l'instruction c'est ici, c'est vous, monsieur le président, qui instruisez. Et nous sommes en flagrance, même les actes du ministère public qui peuvent poser maintenant, c'est sous votre supervision. Il n'y a donc pas besoin de ergoter tout autour des procès verbaux qui ont été obtenus de la manière dont il vient de vous décrire. Si le parti République a des questions pertinentes à poser, évidemment, il fait partie des PV, mais il ne peut pas remettre en question ses réponses d'ici en considérant que ces PV-là, qui sont que des indices et des chances de voir notre. Les prévenir être condamnés, des chances, ce n'est pas encore des preuves. Okay. Il ne peut pas donc se baser sur ça pour contredire. Donc ce sont ces propos d'ici qui doivent, de par la loi, être préférés. Les conditions dans lesquelles le procès verbal a été établi, c'est déjà dit par votre confrère. C'est ce que je voulais renchérir. Je passe à autre chose, monsieur le président. Pourquoi le prévenu, chaque fois il parle, la cour doit toujours. Nous devons avancer, s'il vous plaît. Nous faisons du surplace. Mais le PE. Parce que la pièce ne nous parvient pas. Sinon, ce que nous voulons rachérir, au lieu de prendre assez de temps, si vous regardez ce PE, il est de 2017. Il y a d'autres pièces. C'est peut-être en venant qu'on les a laissées. Le PE est au nom de la société minière de Bissounsou, enregistrée au CAMI et par tous les services de l'administration minière. Nous promettons, dès l'audience prochaine, après avoir acté les comparutions, de vous produire ces pièces.
Question originelle. Le tout premier permis, il était au nom de qui? Monsieur Mwanga Tchoutchou Izzy Edouard, à la société SMI. Place où vous-même vous répondez. Non, mais vous ne voulez pas qu'il réponde. Mais il répond. Oui, bon. Qu'il réponde. Okay. Allez-y, la parole. Donnez la parole. Ou moi-même, je peux répondre. D'accord. Vous voulez que je réponde, posez encore la question à votre honneur. Je la reformule calmement. Vous l'avez bien suivi. Calmement, je la reformule. Mais vous savez que je suis malade, des fois je suis un peu embrouillé. Nous vous comprenons. Même si je viens ici tout le temps, on m'a enlevé de ma chambre et je dormais. Nous vous comprenons. Calmez-vous. A été établi en votre nom. Vous l'avez confirmé. Oui. Maintenant, vous dites qu'il y a un autre permis au profit de la société SMI. Par quel mécanisme avez-vous procédé à cette mutation-là? Voilà. De transformer une concession ou les céder à une société ou à une tierce, il y a la procédure. Et cette procédure, c'est fait au CAMI. Donc, il y a des formulaires qu'il faut remplir, il y a des conditions qu'il faut remplir pour qu'une société quitte d'un individu à une société ou d'une individu à une société. Donc, c'est ça. Il y a des actes qui sont prévus par la loi. Alors, oui. Quels sont ces actes que vous avez posés, individu, pour que ce périmètre minier passe de la propriété d'une personne physique à celle d'une personne morale? Bon, c'est-à-dire que ça, c'est juridique. C'est-à-dire que je demande à mes avocats d'aller chercher les documents au CAMI et vous montrer exactement comment ça s'est succédé. Donc, c'est authentique. Ce n'est pas que Mwanga Tchoutchou Izzy est allé quelque part, il a signé un document et il a dit c'est la terre. Non, c'est il y a compris. La procédure. C'est compris. La République. Mwanga Tchoutchou est tiers à la société SMP. Quoi qu'il aurait cédé dans les mêmes procès-verbaux, l'honorable est rassuré ce qui suit. Rien ne s'est fait. Rien ne peut se faire sans qu'il reçoive un rapport. Nous en avons. Nous allons faire état. Je laisse d'abord la lassitude aux confrères qui sont venus par la suite à acter les comparaisons. Prenez sous phare de 2, la côte 1. Monsieur le Président, la République prend tout son temps d'exploiter les pièces et de bien les lire, minutieusement les lire et les analyser. Voilà un peu tout. Nous ne venons pas divaguer ici. Nous disons 5. Les gens ont dit. Mais qu'est-ce qu'il dit alors, c'est ça. Monsieur le Président, je prends le point 4. Si le permis d'exploitation originel m'a été délivré par les mouvements du Rassemblement congolais pour la démocratie, c'est en vertu d'une procédure administrative régulière ayant abouti à l'établissement des titres miniers de préception et d'exploitation. Et ce, après avoir examiné de ma demande introduite à bon et due forme et paiement par voie bancaire de droits et des défenses dues à l'administration, car autant d'occupations, les RCD exerçaient toutes les prérogatives dévolues à un État avec un gouvernement sur l'ensemble du territoire occupé par lui. D'où est née la SMB. Ça, c'est une correspondance. C'est une correspondance qu'il adresse au Conseil sécurité des Nations Unies à New York, USA. Nous prenons notre F 005/EMH/DP/06/2021. Honorable Mwanga Tchoutchou, député national, deuxième législature, Assemblée nationale, Palais du peuple, Kinshasa, Lingua. Les références de cette lettre, il parle des MH, qui veut donc dire Mwanga Tchoutchou Izzy. Donc, nulle part, vous allez voir dans cette correspondance, qu'il parle et écrit au nom de la société SMP. Et il répond à un rapport qui le met lui en cause. Certainement que dans les rapports, ils l'ont considéré à ce moment-là comme étant les propriétaires de la société SMP. Parerait, comme aujourd'hui encore le ministère public l'affirme, beaucoup de gens ne sont pas au courant que depuis 2014, au moins,
Monsieur Mangatutu, l'honorable Mangatutu Isidwa, n'est plus propriétaire de la société SMB. Et puisqu'il n'a jamais nié en avoir été l'initiateur, vous le dites vous-même, et la Cour l'a constaté ici en cours d'instance, que les premiers permis portaient son nom. Et il y a eu changement de nom entre lui et la SMB. Il peut donc connaître l'historique et éclairer les Nations Unies qui péroraient et ergoter tout autour de je ne sais quoi. Malheureusement, il a dit qu'il n'a pas le temps de lire tout. C'est une lettre que lui-même dit être une lettre par rapport au rejet du rapport du groupe d'experts, certainement des Nations Unies ici au Congo. Donc ce n'est pas un document qui peut être considéré comme un document d'entreprise. Dans la mesure où l'entreprise a des organes qui l'animent, ils ont des statuts, ils sont libres même d'avoir des associés à l'étranger comme ici, il n'a aucun mot d'ordre à donner, il ne participe pas. Je pensais qu'il voulait produire un PV d'assemblée qui montre que Monsieur Mangatutu a participé comme associé ou comme je ne sais quoi. Le seul lien qu'il y a, c'est le lien ombilical, c'est-à-dire que la société a été initiée par lui. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, la situation est dynamique. Pourquoi il refuse de considérer le caractère dynamique de cette société? Et quand il dit que cela lui a été attribué à l'époque du RCD, il rappelle, il n'a pas dit qu'il est membre du RCD, il rappelle que le RCD à l'époque sous occupation agissait comme un gouvernement. Et à San City, tous ces actes ont été en quelque sorte adoptés par le gouvernement congolais, ce qui a donné lieu à un arrêté du ministre qui a reconnu ces permis qui ont été obtenus à cette époque-là. L'avocat de la République vient de dire, je n'ai jamais déclaré qu'une société qui est attribuée à d'autres gens et que moi, je devais décider. Moi, je suis un juriste aussi. Ce n'est pas que je suis quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire. Comment quelqu'un qui ne fait pas partie d'une société peut faire une déclaration en disant non, ils ne peuvent rien faire parce que c'est ma société, donc je dois tout contrôler. Vous trouvez ça normal? Votre honneur, c'est faux, je n'ai jamais dit ça. Ok. Le statut de la SMI de 2014 stipule ce qui suit. Entre les sous-signés, grâce à Christian Mangatutu, Izzy Mangatutu, Izzy Mangatutu et moi, de nationalité congolaise née à Goma le 30 septembre 1953, résident à Goma, etc. Ntoali Thierry Mangatutu, Siaka Adela Mangatutu, Junior Juru Junior Mangatutu. Les sous-signés précités ont établi les statuts constitutifs d'une société à responsabilité limitée devant exister entre eux et tous autres propriétaires des parts qui entreront ultérieurement dans la société. S'agissant de l'article 4, il est dit que le capital social est fixé à 900 millions de francs congolais et au numéro 2, il est dit qu'ils y ont réattribué le droit 18 000 parts, 180 millions de francs congolais. Et à la fin, sur l'acte notarié, ainsi fait à Goma au jour moins et moins dessus, les comparons gaz à pression Mangatutu, Izzy Mangatutu, Edouard, 2 et les trois autres. Qui est ce Izzy Mangatutu Edouard, né en 53? Ces documents, je ne les connais pas, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est fait. Si ça s'est fait avant, vous suivez très bien, si ça s'est fait avant que le Camille n'échange tous les titres aux actionnaires et suivant les statuts, donc ça c'est, je ne comprends pas, je ne sais pas. Ou peut-être ils se sont trompés, mais en tout cas, si vous regardez dans les statuts, je ne suis pas là-dedans. Compte avec la SMB, contrairement à l'acte constitutif dont le rapporteur vient de vous donner lecture. Comme je vous ai dit, il faut que les avocats aillent au Camille
qu'il voit les documents conformes, les documents qui est vrai. Ça, moi, je ne sais pas. La question de Marty. Il y a une accusation qui était portée à ma personne. J'avais signé un document quand le chef était empêché. Non, il y avait des policiers recrutés autrement. Non, allez clair dans Des policiers, donc les sujets rwandais, hein, parmi les 88 là. Et à partir de l'état-major, au niveau du commissariat général, après vérification par la direction des ressources humaines, il retiendra 4 policiers, 2. Les noms étaient mal écrits, selon le directeur des ressources humaines, et 2 autres qui n'étaient pas dans la base de données au niveau national. C'est qui dit ça. Et après, on devrait produire les documents de preuve. J'avais signalé que non, il y avait beaucoup de policiers qui n'étaient pas contrôlés. Et les gens qui n'étaient pas contrôlés ne pouvaient pas se retrouver dans la base de données. Et en 2019, il y avait une note instruisant le commissaire provincial de faire partir tous les policiers qui n'étaient pas contrôlés de la police. Et la lettre était... J'avais transmis cette lettre à tous les commandants unités, parce que j'ai signé aussi l'intérim. Voilà ce que j'avais dit le mardi. Mais but, le recrutement des sujets rwandais dans la police, parmi les policiers qui sont affectés à la CMI. Vous a imputé sur base d'une accusation parvenue aux oreilles de la haute hiérarchie de la police nationale congolaise. Oui, avec les documents. Vous êtes là depuis quelle date? Depuis 2015, vous avez été rappelé. Non, ici, ça fait déjà une année, 3 mois. Ok. Selon vous, a trouvé que vous n'y êtes pour rien, elle n'est jamais revenue sur, elle n'est pas encore revenue sur sa décision. Et je pose la question, je suis là. Parce que je suis déjà remplacé. Donc, la haute hiérarchie maintient son du commissariat général. Commissariat général. Ok. Merci bien. Mais vos identités respectivement. Monsieur le président. Conseil général, moi c'est le conseil supérieur principal, Nkumu Izinga Fidèle. Nkumu Izinga Fidèle. Oui, bonjour. 1997. Oui, mon général. Et c'est l'année de votre recrutement ou bien avant la police, vous avez connu les services de renseignement? Non, avant la police, j'ai travaillé là, à l'armée. Depuis la deuxième république, j'ai assumé plusieurs fonctions au général. La dernière? Non, la dernière, c'est le chef DSP, donc département de la sécurité publique, à l'intérieur du pays. L'intérieur de. Donc, dans la province de Norki. Je réponds au nom de Bongo Ifema. Le grade d'abord. Conseil supérieur principal. Oui. Bongo Ifema. Bongo Ifema. Bongo avec deux O. Deux O. Ifema, double V apostrophe. Ok. Mon général, depuis quand êtes-vous dans la police? Depuis 1998. Et votre fonction actuelle au sein de la police? Chef de département de la sécurité publique, PNC Nord-Kivu, en cible DSP. Et entre vous deux, qui a succédé à qui et depuis combien de temps? Depuis quelle date êtes-vous entrant? Depuis le 4 novembre 2019.
questions pour que vous puissiez lui donner la lumière de manière globale. Hein. Et elle vous épargne de lui devoir de prêter serment. Mais attention, vous êtes renseigné. Vous avez connu tous deux pendant votre séjour dans le Nord Kivu, avez-vous connu en tant que chef de département sécurité publique, avez-vous connu la société dite société minière de Bissou? Oui, mon général. Moi, j'avais connu cette société en 2017. Et aviez-vous un rapport de travail avec cette société en ce temps-là, en ce moment-là? Non. Est-ce que vous étiez au courant du fait qu'il y avait des policiers qui assuraient la sécurité de cette société? Oui, j'étais au courant juste en 2017 lorsque on va signer un contrat de service de 20 éléments qui était basé là-bas à la société SMB. Oh, c'est qui a signé le contrat de service? C'était avec le conseil supérieur principal, Colonel Van Casson, le décembre. Décembre 2017, vous avez signé avec le général Nienko et puis avec le général Van. Le colonel Van. Il y a Abba Van et il y a Kassongo Van. Abba Van, c'est le général, Van Kassongo, c'est le colonel français supérieur principal. Ok. Est-ce que au moment où vous avez signé ces bulletins, vous dites de 20 éléments? Oui. 20 éléments. Est-ce que sur terrain à Bissounjou, il y avait 20 éléments ou il y avait plus de 20? 20 donc, éléments seulement. Oui, 10, 10. Les temps, avait-il des armes ou allait-il main vide? Nous avons 14 armes AK qui étaient destinées à ces 20 éléments au niveau de Bissounjou là-bas. Et mon général? Dans quelles circonstances? Bon, d'abord avec mon prédécesseur, il n'y avait pas une réunion de crise. La circonstance qui a fait à ce que je puisse connaître cette société, c'était lors de ma descente à cette société. C'était en quelle année? Première descente, c'était en 2019, le 12 novembre. J'ai accompagné une ONG, c'était à peine arrivé. Et la seconde, c'était en 2020, au mois d'août. Quel était votre le but de la mission d'abord et quel a été votre constat de manière à ce qu'on puisse vous apporter là? C'était juste pour accompagner cette ONG qui était allée pour renforcement des capacités aux policiers. La seconde, je devais assister à la parade qui devait être tenue par le commandant de l'escadron PMH. On dit que pour affecter les éléments dans ce périmètre-là, vous étiez parmi ceux où votre service était parmi les services qui contribuaient à la sélection des éléments à envoyer à la SMB. Faux ou vrai? Sélection des éléments, d'abord, le commandement, le commissariat provincial. Là, je parle du commissariat provincial. Dans l'ordre au commandant commissariat territorial et au commandant de l'escadron des mines pour sélectionner les éléments qui pouvaient aller là-bas. Moi, je ne pouvais que signer les bulletins de service qui étaient déjà, donc les policiers qui étaient déjà sélectionnés par leur commandant. Et une fois sélectionnés, et à mon niveau, en tant que chef de département, la liste me parvient et moi, je signe les documents trouvés par les chefs. Bon général, les éléments provenaient de leur escadron. Parce que nous avions deux escadrons.
dans le territoire de Massissi, il y avait un escadron de la police des mines. Et à Gom aussi, un escadron de la police des mines. Alors, on demandait les éléments au niveau de leur commandant. Et que le commandant Siatère, c'est lui le maître, c'est lui le titulaire de cette unité. Il nous a envoyé la liste des éléments. Et ensuite, si la liste n'est pas complète, on complète avec l'escadron pour les mines de Gom. Voilà comment est-ce qu'on recevait les éléments. Les éléments, les policiers à affecter provenaient des unités. Donc les unités de provenance étaient connues. Mais que dites-vous, parce que vous avez, vous avez cautionné la sélection des unités avant de soumettre le bulletin au commandant, au commissaire provincial pour signature. Mais les renseignements font état de la présence dans les bulletins contre-signés proposés par vous, au contre-sein du commandant. Il y avait des éléments dans ces listes-là sans unité de provenance. Comment expliquez-vous cela? Quand vous dites là que ce n'est pas nous qui avons, c'est pas moi qui avais sélectionné en tant que P3, et les éléments provenaient de leurs unités, et que s'il y a peut-être des anomalies dans le chef de ces policiers-là, les commandos qui avaient sélectionné pouvaient répondre à cette question. Quant à moi, j'ai d'abord la liste ici, provenant de commandant Satter Massissi, avec les noms, Matriki et leurs unités. Donc tout le monde est de l'escadron de mines de Massissi, qui s'était basé au niveau de cette liste-là. Vous avez parlé des désengagements de certains policiers. Désengagement. Qu'entendez-vous par ce terme désengagement? Pas détachement des Bibatam qui est ici présent. Il est mieux placé pour expliquer les circonstances par lesquelles ce policier s'est retiré du détachement. Qu'entendez-vous par ce concept-là désengagement? Désengagement, quitter une unité ou quitter l'unité pour aller peut-être ailleurs bien rentrer dans votre unité de vie. Vous quittez sur ordre de la hiérarchie ou sans ordre de la hiérarchie? Bon, en tout cas, le désengagement comme tel, ça ne vient pas de la hiérarchie, mon général. Non, s'il vous plaît. Il s'est désengagé, non, s'il vous plaît. Le concept, qu'est-ce que vous voulez dire par se désengager? Quitter avec autorisation l'unité ou quitter sans autorisation son unité? L'engagement, c'est retirer de l'unité à laquelle vous avez évolué. Donc vous partez de vous-même sans autorisation de votre hiérarchie, c'est ça? Il y a ceux qui se désengagent avec autorisation, avec ça, sans autorisation. Mais comment avec autorisation de la hiérarchie, vous pouvez parler des autres? On peut se désengager lorsqu'il y a fait mission. Si on de hiérarchie, par exemple, ou soit parce que peut-être il y a une autre circonstance. On peut se désengager de soi pour des convenances personnelles. Et si on se désengage de soi-même? Bon, mon général, pour ce point-là, le commandant qui de détachement, qui peut peut-être vous éclairer par rapport aux circonstances qui ont fait que ce policier-là puisse se désengager. Vous recevez l'information selon laquelle ils se sont désengagés. Avez-vous vérifié s'ils sont rentrés dans leur unité d'objet ou s'ils sont partis sur d'autres cieux? Le policier qui s'est désengagé, s'il faut vérifier s'il est rentré dans son unité d'origine, il y a son commandant qui l'avait détaché là-bas, qui pourrait peut-être dire que voilà, il y a le policier rentré à l'unité, mais il est allé ailleurs. Le commandant de l'unité concernée faisant état du désengagement des hommes placés sous son commandement. Les correspondances sont adressées au commandant d'unité. Et nous, à mon niveau,
je ne fais que traiter sur base de l'instruction du commandant qui est mon commissaire commercial. En se désengageant, le policier, soit deux fois il rentre à son unité, deux fois il va ailleurs. Ailleurs là, c'est où? Je peux toujours revenir à ce qui est mon présent question. Un policier qui se détache, qui se désengage de la mission qui lui a été confiée au détachement, lorsqu'il se désengage, il rentre dans son unité. Mais vous avez dit tout à l'heure, ou bien il va ailleurs. Bon, ailleurs peut-être. Bon, en tout cas, moi je rentre tous ces. C'est vos déclarations. Bon, il peut rentrer dans son unité d'origine comme il peut rentrer dans une autre unité. Ah bon? Dans la police au nom qui vous est concerné, on peut quitter son unité quand on veut, on va dans une autre unité. Mais il y a. C'est que le P3 concerne. Bon, au moins général. Les policiers qui se retirent d'un détachement, qui se retirent de la mission qu'on leur avait confiée, ils rentrent dans son unité. Donnez une liste, nous ne savons pas, elle est signée par qui? Signée par Émile Mouenzo Ngopé, commissaire supérieur, commandant territorial PNC Massissi. Comme étant unité spécialisée, dépendent de lui. Mais malgré cette escadron, oui, malgré l'escadron a un commandant, mais tous dépendent du commandant 7, donc le commandant district. C'est lui qui est le maître de ce qui est. Bien. COVID, la haute cour constate qu'il y a des policiers sans numéro matricule. À peu près sur une liste de une soixantaine de personnes, 70 personnes, et à peu près 14 qui n'ont pas de numéro matricule. Vous, en tant que P3 en ce moment-là, comment justifiez-vous cette réalité? Je pouvais me justifier en ce sens. Le Nord-Kiv a subi plus de deux fois le contrôle biométrique pour les policiers. Et le dernier contrôle s'est effectué en 2015, où tout le monde a été contrôlé et matriculé. Alors, subitement, on va constater qu'il y a le commandant qui nous envoie des listes avec les noms de ceux qui n'ont pas de numéro matricule. Avec tous ces éléments-là, ordre était venu de dire ça parce que tout le monde a été contrôlé, mais il se passe que sur la liste, il y a d'autres éléments qui n'ont pas de numéro matricule. Alors, tous ces éléments-là ont été écartés de la police. Mais d'où venaient ces éléments-là? Avez-vous approfondi les enquêtes pour savoir d'où ils venaient? Les prendre dans leur effectif et demander que la haute hiérarchie puisse les incorporer dans la police nationale congolaise? Donc, je serai capable de répondre parce que c'est l'IHI qui a ordonné le deuxième contrôle biométrique. Tandis que le premier contrôle était effectué. Mais il se faisait que à chaque fois, il y a eu les non-pays, il y a eu toujours les non-pays. Et c'est pour cela qu'on avait envoyé le deuxième contrôle biométrique, c'est en 2015. Alors, après ce contrôle-là, il s'avérait qu'il y a toujours les non-pays, il y a toujours les non-matriculés. Et c'est comme ça que les gâchés avaient décidé, non, alors, on ne pouvait pas continuer comme ça, à tout moment, il faut faire partie. Il y a des policiers qui n'ont pas de numéro matriculé. Ce sont des policiers considérés comme infiltrés. C'est de la haute cour qui utilise ce terme. Infiltrés comment? Et c'est d'où la question du rapporteur vaut son pesant. Mais d'où venaient ces éléments-là? Parce que vous étiez P3 en ce moment-là. Et oui. Vous voyez que les sous-unités, parce que cette liste-là vient des sous-unités, elle ne vient pas de la hiérarchie. Les sous-unités renseignent qu'elles ont dans leur sein
des policiers qui n'ont pas de numéro matricule. Alors que tout policier œuvrant au sein de cette institution est censé avoir un numéro matricule. Est-ce que c'est vous qui recrutiez ces éléments-là pour ensuite mettre l'État congolais devant un fait accompli pour lui dire, écoutez, nous avons ces gens, ils n'ont pas de matricule, reconnaissez-les comme éléments de la police nationale. Et je ne suis pas compétent. Je ne suis pas compétent à recruter les éléments de la police. Si ce n'est que le gâchis qui ordonne le recrutement. Dans ce cas, la liste que vous voyez, les non-matriculés, tous ces gens-là ont été écartés de la police. Donc le conseil provincial avait reçu l'ordre. Parce qu'on a réalisé que plus de deux fois le contrôle biométrique. Comment est-ce que nous pouvons avoir toujours les non-payés, les non-matriculés? Alors tous ces gens-là ne sont pas connus. Placés sous état de siège, tout récemment, le Nord-Kivu était une zone opérationnelle. Ce qui justifiait d'ailleurs la présence d'une cour militaire opérationnelle sur place. Vous le savez? Je le sais, mon général. Ok. Vous savez que l'implantation de la cour militaire opérationnelle d'abord et ensuite l'état de siège qui vient d'être décrété par l'actuel président de la République, c'est consécutivement aux rébellions, aux mouvements insurrectionnels qui ne cessent de proliférer dans le Nord Kivu, afin de pouvoir avoir un régime judiciaire et même une administration assez forte pour contrecarrer ce mouvement incontrôlé des éléments armés, vous le savez, arrivé à trouver qu'il y a, après deux contrôles biométriques, il y a toujours des policiers qui sont non matriculés et qui ne sont pas payés. Pensez-vous que la meilleure solution, c'est simplement de les renvoyer plutôt que de les appréhender et d'aller beaucoup plus en profondeur pour savoir comment sont-ils parvenus à intégrer ces unités-là et ces commandants, comment ils les ont pris en charge? Monsieur le Général, là je vous dirais que je ne suis pas compétent. Non, vous personnellement, vous n'y avez jamais pensé, parce qu'en tant que des conseillers du commissaire provincial, et le conseiller doit dire ce qu'il a à dire à son chef. Si le chef fait fi des conseils du conseiller, mais au moins le conseiller a fait son travail. Et lorsque surviendra un problème, le conseiller pourra dire, j'avais fait rapport au chef, voici la preuve. Donc, je ne suis pas dans le coup. Mais si le conseiller que vous êtes, puisque vous le savez, vous n'êtes pas un nouveau venu sous les armes, sous les drapeaux, le conseiller, sachant pertinemment bien les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la nation vit à travers la population du Nord Kivu et de l'Ituri, que le conseiller voit des gens venir sans matricule et puis bon, on les renvoie dans la nature. Est-ce que c'est un comportement responsable? Je pense que pour cette question, l'Eliashi est compétent de répondre à cela. Nous ne le dirons jamais assez. Ces gens que vous appelez renseignants sont venus ici pas pour vous aider, mais pour étaler l'incompétence, la négligence, le désarroi de la République à travers les individus qu'ils croient être ses représentants ou travaillant pour elle. D'abord, ces documents qu'on vient vous présenter, ces documents-là sans entête et qui commencent à la 11e, qui commencent au numéro 11, c'est quoi? Sans entête, dis-donc, moi j'ai la liste ici, la liste de quoi? Sans en tête, et qui commence par le numéro 11. J'ai la liste ici, monsieur le premier président. La liste de quoi? On vous l'établit ici, là, on l'amène. Nous voulons poser seulement une ou deux questions.
le P3, comment ça s'appelle encore? Bondo. Bongo. Qui dit bonnement? Ça sifflait dans mes oreilles. Quand on lui pose la question sur la vérification, il dit non, moi je suis officier d'état-major. Donc, officier d'état-major signifie rester dans son bureau là et signer n'importe quoi et faire état-major. Et il est pétois. Pétois. C'est-à-dire que quoi? C'est celui-là qui a la tâche d'articulation. D'articulation des opérations. Les gens qui sont sur le terrain exécutent ce que lui a fait. Les gens qui sont sur le terrain, les pauvres, exécutent ce que lui a conçu, lui a organisé, a planifié. Je pose une question aux deux enseignants. Quand on établit un bulletin de service pour que on déploie les éléments sur le terrain, notamment les éléments qui partent à Ibatam. C'est détachement-là. C'est qui, entre vous et le commissaire provincial, c'est qui signe les premiers les documents et c'est qui signe les derniers? Général, répondre à la préoccupation du ministère public. Les commandants détachement, les commandants d'unité, si je dis qu'il n'est pas le commandant détachement, lorsqu'il envoie la correspondance au commandement provincial, le commissaire provincial oriente les documents par la coordination à laquelle moi je dépends directement, et ça passe par mon département, et j'établis le bulletin de service. Et une fois signé, j'envoie ça, je retourne ça au commissaire provincial pour approbation. J'ai signé, parce que j'ai fait confiance à nos collaborateurs. Qui sont eux? Au numéro 1. Le P3. J'ai signé parce que je fais confiance à nos collaborateurs. Voilà que lui, on lui pose la question sur ces éléments irréguliers. Il dit non. Parce que le commissaire, l'escadron, je ne sais pas comment c'était, le massif, a fait. C'est ainsi que moi, Christine, il sert à quoi? Donc, il voit qu'il y a des gens non particuliers, irréguliers. Et nous sommes au nord Kivu. Nous sommes au nord Kivu. Pourquoi est-ce qu'il comprend? Pourquoi il doit signer en premier lieu avant, et il a bien utilisé les termes, avant que le commandant approuve? À cette allure, vous allez appeler les chefs de l'État pour venir justifier certaines situations ici, parce que ceux-là qui sont sur le terrain, rien du tout. Les commandants qui sont ici, non, ils font confiance à ses collaborateurs, c'est ainsi qu'ils signent. Voilà le collaborateur en question. Il dit à son tour, non, parce que le commissaire de territoire, je ne sais pas quoi, a envoyé. Et lui, il sert à quoi? Et pourquoi il signe en premier lieu avant que le commandant n'approuve? C'est la question que je pose. Au général, les documents, lorsque ça arrive au commissaire provincial, le commissaire provincial exploite et il donne des orientations. Et c'est sur base de ça que moi je signe le document et lui approuve. Pourquoi vous signez en premier lieu? Moi, général, c'est l'administration. Chaque chef a sa façon de travailler, mon général. Il envoie les documents chez moi. C'est ça que nous avons fait. Le document est arrivé chez vous, commissaire principal. Vous analysez, vous examinez, donc vous êtes les jumelles du commandant. Et lorsque vous estimez que tout est conforme, vous apposez votre signature pour que le commandant aille avaliser ce que vous avez fait. Donc cela vous engage. Vous n'allez pas dire que vous êtes une boîte de résonance ou quoi. Ainsi que le ministère public vous pose la question, pourquoi est-ce que vous signez en premier lieu? Pardon, mon général. Recevez l'ordre de signer avec le mot. Monsieur mon général, c'est le commandant d'unité qui envoie la liste. On exploite d'abord par le chef. Lorsque le chef a été exploité, et il envoie au département. Le département ne fait que subir les ordres du chef. Ok.
Ok. Avez-vous constaté des situations irrégulières? Moyen de mon chef. Je réponds à la question, mon général. Parce que je voulais vous donner une éclaircissement par rapport à ça. Commencez par répondre à la question et vous donner l'éclaircissement. La question de la... En 2021, avez-vous constaté des anomalies, oui ou non? Et après, vous donnez l'explication. Non, mon général. Là, je dis que les contrôles, là, c'était fait au niveau de Dubaï. J'accompagnais mon chef de la coordination de la paix et gestion. Quel chef? De la coordination de la paix et gestion. Mais c'est qui le chef là? Non, il n'est pas avec nous ici. Étiez-vous à Bissouze? Vous arrivez à Bissouze lors de ce contrôle? Bon, notre mission n'était pas d'arriver à Bissouze, mon général, parce que tous les policiers étaient rassemblés à Baya. On a procédé au contrôle de par unité, même les unités territoriales. Et les policiers qui étaient à Bissouze sont-ils venus pour rejoindre la route? Oui. Et vous avez constaté que tout le monde était dans la régularité? Oui, tel qu'a dit le commandant d'état-major. Ça va, d'accord. Venez, tous à la barre. Tout le monde à la barre. Appuyez les chefs à droite. Awashango, divisionnaire Niembo, divisionnaire Abba. Abba, le divisionnaire supérieur principal. Désolé, Niembo n'est pas là. Il n'est pas là. Où est-ce qu'il est? Tablé, elle vous a entendu chacun individuellement. Et elle voudrait maintenant entendre tout le monde au même moment. Il y a un certain nombre de questions pour obtenir des précisions parce que les dépositions semblent ne pas concorder. Et la juridiction peut avoir des précisions. La toute première question est relative au contrat de gardiennage. Il s'avère que durant le commandement de chacun des commissaires provinciaux, la SMB était en contrat avec le gouvernement congolais représenté par les provinciaux. Il y a eu 4 contrats, si la mémoire de la Haute Cour est bonne, en 2015, en 2018, en 2021 et 2022. D'abord, le tout premier contrat, c'était sous le commandement du commissaire divisionnaire Awashango. Et il a dit à la Haute Cour que ce contrat ce n'est pas lui qui avait signé ce contrat. Et en ce moment-là, Kasongo, le commissaire supérieur principal Kasongo, était là. Est-ce que le commissaire divisionnaire à la Chambre peut-il revenir sur la signature du contrat? C'est interdit. Et ce jour-là, je dis que effectivement, on a signé le premier contrat. Et le premier contrat a été signé parce que j'ai retrouvé quand même les documents, on me l'a envoyé. C'était signé au mois de novembre 2015. C'était signé par moi-même. Et comment on établit les contrats? C'est-à-dire qu'il y a le chef de bureau budget qui prépare les contrats, signe, et la partie signe, et on apporte au commissaire général et au commissaire provincial qui signe les documents au nom de la République. Et ce contrat, vous l'avez côté SMB, qui était la personne qui avait signé avec vous ce contrat? La personne qui a signé les contrats avec nous, c'était la directrice de la SMB, Wivine. Ah, c'est Wivine qui a signé avec... Oui, comme directrice, comme représentant de la personne morale. Ok, donc 2015, c'est le commissaire provincial Abba,
Awashangwa qui signe avec Wivin. Awashangwa a déclaré qu'il ne signait pas de traité de service personnel. Le contrat de 2018 a été signé par, par le commissaire divisionnaire Yimbo. Et vous l'avez signé avec qui? Et en qualité de directrice. Directrice. Ouais. Ok. Et en 2021 et 2022, il y a deux contrats qui ont été signés par le divisionnaire Abba. Tout à fait. Et vous l'avez signé avec qui? La directrice n'avait jamais changé de fonction. Donc c'est avec la directrice. Toujours avec la même personne. Ben Mangachou, honorable député, selon les responsables de province, il y a quatre contrats qui ont été signés par Wipin. Alors que vous avez dit que c'est Ben qui avait pris les commandes depuis un certain temps. Quelle est votre réaction par rapport à la signature de tous ces documents? J'ai de la société, je ne sais pas comment ils se sont organisés, qui signait et qui ne signait pas, ça je ne saurais pas vous le dire. Ok. Les effectifs. Il y a deux ou trois commissaires fonctionnaires avaient changé selon les besoins et selon les menaces contre la sécurité, menaces sécuritaires. Le premier contrat concernait une vingtaine de policiers. Et le chiffre est passé de 20 à 40 et puis 86. Ils ont dit que les sur terrain, alors que le contrat stipulait 40 ou 43, le tout dernier, mais sur terrain, il y avait un effectif supérieur. Donc si c'est 40, c'était 40 fois 2. Donc équipe A de 40, équipe B de 40. Mouchamaliro a dit que ces gens-là, bien que le contrat ne mentionnait que 40, mais sur terrain, il y avait 80, parce qu'ils demeuraient dans la concession. Est-ce que les commissaires divisionnaires peuvent confirmer cette histoire? Même, je crois, le supérieur Kassombo, là aussi, il est là. Je suis là. Il a même confirmé. Et que cette situation était connue de la hiérarchie de la police. Parce que lorsque j'ai retrouvé les contrats, on a signé pour 13. C'était pour 13. C'est-à-dire les 13, c'est les commandants. Je vous ai dit que nous, moi je signe les documents, mais l'exécution c'est les commandants. C'est le commandant qui doit faire ce qu'il y a des relèves et tout ça. Mais c'est pour la société, il n'y a que les 13 qui devraient se retrouver sur le terrain. Il y a ma chère Chamalivre, à ce moment-là, il était commandant escadron. Et ils envoyaient, c'est eux qui devraient envoyer les gens au détachement. C'est-à-dire, s'il y a relève, les autres rentrent et les autres repartent. Mais ils ne restaient pas sur le terrain. À moins qu'ils puissent me dire le contraire. Et sur le commandement des autres, j'avais signé le contrat de 43 policiers en deux équipes. Une équipe A de 43 policiers. Et l'équipe B est 43 policiers. Ces deux équipes devraient se relayer. J'avais dit ici que SMB avait exprimé les besoins d'augmenter les effectifs compte tenu des menaces sur le terrain. Et c'est comme ça que nous avions signé ce contrat-là, sachant que sur le terrain, ne doivent se trouver que 43 policiers qui devraient se relayer. Quand les 43 se reposent, les autres prennent la relève et font le travail.
Là, ça ne dépendait pas du commissaire provincial. Là, c'est au niveau de terrain où les éléments sont à la disposition de leur commandant qui doit savoir comment articuler ses forces sur le terrain. Une période de 30 jours, c'est-à-dire un mois, ça supposait que les 43 sont sur terrain et c'est dans les 43 que le service s'effectue. Les services intérieurs s'effectuent avec cet effectif de 43. Et au terme d'un mois, le bulletin de service perd sa validité. Les 43, selon vous, devaient rentrer dans leurs unités d'origine, de provenance, et les 43 autres devaient se retrouver sur terrain, dans votre logique. Mais le commissaire supérieur Kassongo, relayé d'ailleurs par Moucha Maliro qui était sur le terrain, le prévenu en la faisant cause, ont soutenu que tous les 86 se trouvaient à Bissou. Le terrain, le commissaire provincial n'est pas sur le terrain. Moi, la personne, mon collaborateur direct, c'est le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative. Et le reste, c'est lui qui fait les suivis sur le terrain de comment la force est articulée sur le terrain. C'est à ce niveau-là que le travail se fait. Je crois que la fois passée, vous m'avez posé la question de savoir comment étaient les policiers sur le terrain. Et je vous avais dit que non. Le requérant avait exprimé le besoin d'avoir la réserve au niveau de la base, au niveau de leur base qui était au niveau des Bissons là-bas. C'est de cette façon que non, ces éléments étaient là pour relever les autres compte tenu de la distance et compte tenu de la logistique. C'est ce que j'avais dit. Je ne suis pas contredit. Mais par rapport à la précision apportée par le commissaire, l'équipe B ne devait pas se retrouver dans le périmètre de Bissouz, mais dans leurs unités. Mais vous, je ne sais pas s'il y a. S'il vous plaît, un moment. Mais vous dites que la SMB avait estimé qu'il fallait une réserve sur terrain. Est-ce que, en gardant cela, étiez-vous dans la logique du commandement? Pas un document qui prouve ce qu'il vient de dire. Sinon, il m'avait instruit, moi, que les éléments restent dans leurs unités. Les bureaux 3 sont là. Et quand on émet les documents, les chefs signent, et les éléments étaient au niveau des Bissous comme éléments de réserve qui devraient relever les autres villes à distance à l'état-major de l'escadron et à l'état-major de la police certitaire de Massissi. Votre commandement. Et lorsque cette stratégie a été adoptée, saviez-vous ou aviez-vous donné des instructions que l'équipe B de 43 policiers reste comme dans une base, constitue une base à Bissouge? Était-ce votre façon de faire ou bien c'est votre collaborateur qui a pris cette initiative sur vous? Pour dire que les 43 éléments restent à Bissonzou ou ailleurs. Moi, j'ai signé les documents, mais le travail sur le terrain s'est fait par le commandant qui est sur place, qui a à sa disposition les éléments, qui articule les forces, sous la supervision de mon collaborateur, le commissaire le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative. C'est-à-dire, le travail qui se fait sur le terrain, c'est lui qui coordonne, parce que c'est dans sa coordination. Et en coordonnant, il vous faisait pas rapport pour dire commandant sur le terrain. Je n'ai jamais eu le feedback dans ce sens. Les renforts que recevait le détachement de Bissous ou venant d'autres unités? Ainsi, policiers. Oui. Non, ça, je ne suis pas au courant. Moi, Le bulletin d'ailleurs qui est devant vous que nous utilisions était déjà de 70 éléments. Et j'avais dit qu'à un moment donné,
il y avait une situation à laquelle le détachement n'était plus en mesure de faire face. Vous avez mis un document devant vous sur lequel le commandant détachement à l'époque avait demandé au commissaire, au commandant escadron, réservant copie au commissaire provincial, de lui renforcer parce que le détachement était presque au bout de souffle. C'est là où j'avais précisé que le commissaire provincial avait instruit les unités amies pour nous venir en aide. C'était pour un moment et pour un besoin. Mais après que la situation était stable, ils étaient rentrés dans leurs unités. Et c'était quel commissaire provincial et en quelle année? C'était en 2020, c'était sous le commandement du commissaire provincial à Baban. Ok. Le terrain 86. Et en plus, il y avait d'autres renforts qui venaient des unités voisines. Sur votre ordre. Sur vos instructions, selon le prévenu Bouchamaliko. Votre père. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai continué avec 88 hommes. Donc, je n'ai fait que renouveler les contrats que j'ai trouvés. Et comme mon prédécesseur venait de dire qu'il avait divisé l'équipe en deux, ce n'est que ça le principe des gardiennages. Les gardiennages, quelqu'un ne peut pas travailler 48 heures au-delà non plus. Moi, j'ai pensé personnellement à l'état-major, que c'est là qui s'est passé. Donc, avec les 86, mettez des équipes de 43-43. Les 43 demeurent en poste. 48 heures après, c'est ça le principe. Le commandant, il a dit qu'il a changé ce principe. 48 heures après, il remplace par d'autres 43 qui étaient en repos. Et ainsi de suite, il y a ce roulement. Mais je vous avais dit autrefois que si cela s'était passé, je pensais personnellement que ces éléments devraient se trouver à Bissoun. Pourquoi chacun dans son habitation? Pas sur les sites. Si j'étais sur les sites, je vous ai dit que c'est peut-être un problème de logement ou un problème de logistique, comme l'autre venait de le dire. Que ça concerne les commandants qui étaient avec les hommes. Pour moi, à mon entendement, chacun devrait être chez lui. C'est quand ceux qui sont en repos, chacun devrait être chez lui. Ou comme peut-être dans un, comme on venait de dire ici, dans quelque chose qu'on a construit pour qu'il reste là-bas, et qu'après 48 heures, il remplace les autres aussi. Voilà un peu. Vous venez donner comme ajout la nature de cette unité-là. Parce que vous constituez deux équipes qui doivent se fixer dans le périmètre. Était-ce alors, en termes techniques, une unité implantée ou un détachement qu'une autre unité envoyait pour un temps et que après la mission, ce détachement rentrait à l'unité? Une unité organique, ce n'est pas une unité en détachement comme un détachement ordinaire, c'est une unité organique. Pour voir, vous avez tous les documents en face de vous. Le commandant détachement fait rapport au commandant escadron. Et le commandant escadron remonte au commissaire territorial. Voilà comment ça s'est passé. Donc, c'est une unité organique. Et si nous y envoyons des gens, nous envoyons des gens qui sont affectés à cette unité organique. Disant qu'il s'agissait d'un détachement de l'escadron PMH. Et je vous ai prénom, cette unité, les éléments qui étaient à du bâtiment. Leur état-major était à Saki. Et vous avez parlé même d'un escadron. Si l'effectif devrait avoisiner combien? Je vais parler de 150, mais en dernière minute, quand les éléments sont descendus au niveau de Saki, ils étaient aux environs de 202. Et vous m'avez même parlé que non, c'était une unité, donc compagnie plus en termes militaires. Compagnie renforcée en termes militaires. Voilà donc l'état-major est à Saké, mais on détache les éléments de l'autre côté vu la distance. Mais comment concilier ces deux prises de position? Nous parlons le même langage, mais parfois des termes différents. Non. Parce que l'unité est là. L'unité est à Saké, l'état-major. Et les éléments qui sont là sont gérés par les commandants de cette unité qui est à Saki. Et le chef vous a même confirmé que non, le commandant détachement
hein, comme on les appelle, le commandant de détachement faisait les rapports à son commandant escadron. Et le commandant escadron faisait aussi les rapports à son commandant, donc le commandant SIAT territorial de Massissi, qui à celui-là, s'il est en difficulté, il faisait les rapports au commissariat provincial. Voilà un peu ce que je peux compléter, mon chef. Implanté. Il ajoute même qu'il y avait un magasin d'armement où ils devaient garder leurs armes. Vous vous en dites quoi? Les commandants qui étaient avec les éléments sont mieux placés pour nous donner la précision. S'il y a un élément de réserve, hein, les commandants avaient dit ça ici que non, c'était dans sa chambre. Il n'avait pas vraiment en soi un magasin d'armement. C'était une chambre où logeaient les commandants de ces éléments, où il y avait les armes de réserve. Et chaque fois quand un élément pouvait quitter, il pouvait laisser l'arme auprès de son chef. Appartenant à une même structure, il s'appelle Escadron Police Mines et Hydrocarbures. Mais il savait, selon les pièces que vous avez produites vous-même, qui sont venues à suite à la réquisition de l'auditeur militaire du Nord-Kivu, que les éléments qui étaient envoyés dans cette unité provenaient de différentes unités, surtout que vous avez eu à assurer l'administration sous trois commandements. Comment expliquez-vous cela? J'étais dans les opérations et je vous ai parlé que non, la personne qui s'occupe de l'administration, c'est le troisième adjoint. Appui et gestion, selon la réforme de notre police. Et le mardi, je vous avais donné deux documents signés par mon chef, l'actuel, donc je ne suis plus avec lui, mais l'actuel chef du Nord Kivu, qui instruisait les commandants de Massissi. C'est au commandant de Massissi, à son tour, qui devrait instruire les commandants escadrons pour renforcer ou bien remplacer. Et je vous ai même donné un document signé par le commandant Siatter à l'époque du colonel Mwenzo. Il y avait à peu près 9 ou bien 11 policiers qu'on devrait remplacer. Donc j'étais clair dans tout ce que j'avais dit la fois passée. Des éléments, tantôt des éléments sans numéro matricule, des éléments sans unité de provenance et tout ça, sur les bulletins de service signés par les commandants, les commissaires provinciaux, ainsi que leurs collaborateurs. Quelle est votre réaction? Nous sommes des professionnels du métier. Les bulletins contiennent des gens. Si le bulletin de service, quand on envoie des gens en gardiennage, on n'y met pas le numéro matricule non plus. D'abord, c'est ça cet aspect que vous devez comprendre. Si on a mis le numéro matricule, c'est facultatif. Si on n'a pas mis, le bulletin ne manque pas de valeur non plus. Que nous mettons juste le grade et le nom de la personne. Mais au moins, si vous allez dire qu'il y a des gens sans numéro matricule là-bas, puisque vous avez dit la fois passée par Abissoundou. Puisque Abissoundou, quand je suis arrivé, j'ai des documents ici où j'ai précisé. Quand les listes me venaient, un élément sans numéro matricule, je renvoyais pour dire qu'on vérifie, qu'on sache d'où vient encore cet élément sans numéro matricule. Mais on constatait, on retrouvait plus que ces éléments avaient les numéros matricules partant de la base des données. Ce sont des erreurs qui arrivent avec l'opérateur de saisie. Vous m'avez posé cette question encore la fois passée. Sur la liste des éléments, les 43 fois deux équipes, qui avaient des noms où les unités de provenance n'étaient pas mentionnées. Et j'avais répondu à cette question comme ceci. Pour moi, lorsque le document est établi et qu'il m'arrive par mon proche collaborateur, je considère que tous ces éléments-là sont de la police des mines. C'est comme ça que j'avais répondu.
nonobstant ceux pour lesquels on précisait qu'ils venaient de telle unité pour aller appuyer l'unité de police de nuit. Les chefs insistent. Il insiste pour parler de son proche collaborateur. Je ne sais pas lequel. Vous. Ah, si c'est moi, donc je vais vous dire que non. J'avais répondu à une question qui m'était posée ici. J'avais dit à la cour, je n'avais pas mis de l'eau dans ma bouche. Et il y a des sortes, j'ai eu à travailler et j'ai géré des sortes de chefs. Il y a un chef, donc... Vous n'avez pas géré, vous avez été géré. J'ai été géré par mes chefs. Par mes chefs, et j'avais constaté qu'il y avait un système. Chaque chef avait sa façon de travailler. Il y a un chef qui recevait les documents venant du secrétariat pour atteindre le département ou bien les services. Ces documents devraient passer par ma coordination, par moi, et je pouvais articuler où je pouvais répondre à la préoccupation du chef. Il y a un autre système, un chef qui reçoit les documents et il envoie ça directement au niveau du bureau 3, au niveau de coordination, au niveau du département ou au niveau des services. À ce niveau-là, je ne sais pas si son proche peut faire le suivi en quelle manière. Et les bureaux 3 sont là, ils sont présents. S'il y a un bureau 3 qui, après avoir posé sa signature pour voir les chefs, il devrait passer par moi et atteindre les chefs. Normalement, il déposait les documents au niveau du secrétariat et le secrétaire amenait ça auprès du chef. C'est question vraiment de rectifier. Dire que non, j'étais obligé de faire les suivis. Oui, je faisais les suivis et tout ce que les chefs qui étaient avec moi me donnaient comme travail. Et ces jours-là, je vous avais donné des documents. Je vous donne cette fiche comme modèle. Je ne suis pas à Goma. Je suis dans les Grands Nord, je pense. Le bureau 3 fait des propositions auprès du chef. Et les chefs, ne voyant pas mes propositions sur les documents, il dit, il renvoie encore la fiche chez moi pour dire qu'il avait confiance en ma personne et au travail que j'ai rendu à la nation congolaise. Et les documents, c'est un modèle qui montre que non, avec les chefs qui est sur place, beaucoup de documents passaient par moi. Commandant du détachement affecté à la SMB, n'est-ce pas? Si. Sur 68 éléments que vous avez dit que vous avez ramené à Sake, de Abibou, le commissaire supérieur adjoint Abibou, vous le connaissez? Oui. C'est qui? Une quarantaine d'éléments qui ont fait défection et il précise pour le M23. Et quant aux éléments restants, il ne sait pas combien ils sont et il faudrait qu'il y ait le temps pour les rechercher. Quelle est votre réaction? J'ai quitté Bibacam le 7. À pied, j'ai fait 2 jours de marche avec tous ces éléments et je les ai remis tous entre les mains du commandant escadron à sac. Et donc, ce qui s'est passé après moi, je ne suis plus au courant derrière mon journal. Comment pouvez-vous justifier que près de 40, et je crois que le commissaire divisionnaire Abba a précisé 41,
21 là-bas. Honorable président. 21. Ce n'est pas 40, c'est 21. Oui, mais Habibou a parlé d'une quarantaine. Habibou parle de 21 personnes. C'est 21 personnes. C'est, avait fait défection. Merci pour la précision. 25. Merci. C'est 25. C'est pas 25 dans son pays. Ok. Merci, monsieur le commissaire divisionnaire. Avec les défections antérieures, on atteint un nombre de 40. Qu'est-ce que ça vous fait comme commandant d'unité? Vous qui avez commandé ces unités, surtout que lorsque l'on sait que pour faire défection, il faut avoir eu des liens avec le mouvement vers lequel vous faites défection. Autrement, le M23 combat les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Quand un élément de ces forces-là, de défense et de sécurité, fait défection et qu'il est bien accueilli, c'est qu'il était l'un des leurs. Qu'est-ce que ça vous interpelle? Il faut préciser que je n'ai jamais fait partie des mouvements insurrectionnels. Non, vous êtes là. Je commence par là, mon général. C'est pas parce que je suis là, même si j'étais à l'extérieur, je serais toujours présent dans la police. Mon général, comme vous et les autres qui sont patriotes, comme nous tous, doivent être étiqués quand ils apprennent ça, parce que un policier de l'État congolais qui jouit avec tous les avantages de la police nationale congolaise, quand il fait défection, ça n'engage que lui parce que c'est quelqu'un qui est responsable. Et je ne pense pas que parmi eux, il y a un mineur. Et donc, mon général, toutes ces situations se sont déroulées pendant que moi, j'étais déjà miselé, j'étais déjà immobilisé. Donc, je ne connais rien de tout ce qui s'est passé. Donc, je suis seulement surpris d'entendre ce qu'on est en train de dire ici concernant la défection de ces éléments. À votre coup militaire, mon général, audience levée. Arme au pied, retour. Arme de mon général. Mission TV, le miroir du monde.